J'ai eu un... Bonsoir à tous, ça a été un peu long, désolé. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Alors avant d'attaquer, je mets tout en marche parce que ce soir c'est un direct à la maison. On va mettre celui-là ici. Voilà. Allez, bonsoir à ceux qui nous sont en train de nous rejoindre. Je suis en train de mettre le chat. Salut Benoît. Ah, tu as foncé sur les Marocains, ben c'est super. Il y a du travail hein, sur ce morceau-là. C'est un gros morceau pour le coup. Ce soir, donc j'ai été long à venir. Je vais vous expliquer pourquoi. La raison est très simple. J'ai mes allergies aujourd'hui et je ne pouvais pas commencer sans prendre mon médicament et j'ai mis du temps à le trouver. Alors là, je ne suis pas bien organisé parce que je vais faire ce live aujourd'hui de chez moi. Pour rien vous cacher, le problème, c'est que le problème, c'est d'avoir tous les chats. Bon, voilà. On va faire ça comme ça, ça va être à peu près bon normalement, on devrait y arriver. Bonsoir à tous, je vois qu'il y a du monde, Gabi, salut à tous. Alors, avant d'attaquer, ah ben voilà, Gabi a fini Crédit Pro, ben c'est parfait, on va un peu en parler du coup du contenu, je vois qu'il y a des membres, on va pouvoir un peu, on fera un live après, ne vous inquiétez pas. Après, à partir de la semaine prochaine, il y aura des lives dans le groupe privé, on discutera plus tranquillement des programmes. Ce soir, c'est l'avant-dernière, c'était censé être la dernière, je ferai une dernière émission lundi soir, on va faire une dernière émission, on va en parler. Avant d'attaquer l'émission, j'ai une chose à vous dire, la vidéo d'hier s'est fait striker, j'ai eu pas mal de messages qui m'ont dit « je comprends pas, on peut pas voir la rediff et tout ». Donc, je vous confirme que la vidéo… s'est fait striker, je crois pourquoi. En fait, j'ai utilisé les images en fond. Là, vous savez, je vous ai montré les images puisque j'étais prêt à faire le prochain podcast sur qui veut être mon associé. Et à mon avis, boum, strike immédiat de la part de YouTube. Donc voilà, je pense que quand je vais extraire la vidéo, qu'il la remettrai, mais là, je ne peux pas le faire. Je peux aller au bureau aujourd'hui. C'était férié. Et si ma femme ne me l'avait pas dit, je ne savais pas que c'était férié. Donc merci à elle. Je vous avoue que donc. Je vais la réextraire, la vidéo d'hier, et je la remettrai sur la chaîne secondaire, sur le podcast Immobilier et compagnie, pour que tous ceux qui ne l'ont pas vue puissent, voilà, puissent la voir. Voilà, donc il faudra que j'ai été diffusé sur M6, et ça, à mon avis, ça part, ils sont un peu violents, ils n'aiment pas trop qu'on montre leur contenu. Les chaînes de télé, tu sais, c'est un peu. Voilà, ils sont ça. Bon, ok. Donc, je la remettrai en ligne, ne vous inquiétez pas. Celle-là aussi, mais je m'en occuperai maintenant semaine prochaine. Lundi, j'ai le podcast à faire, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire avec la semaine qu'on a eue cette semaine. J'ai une série de questions, je n'ai pas 100 questions. C'est un peu la dernière Covid. Je vois que Furax me dit « Hello, cette année chaud les allergies, j'ai cru avoir le Covid 3 fois. » Je ne te le fais pas dire. Alors moi, c'est très particulier. Un mot sur les allergies. Gros allergie appartement et je vous avoue que ça a vachement diminué mes allergies. D'ailleurs, vous m'en voulez pas si je touche un peu mon nez, c'est parce que ben voilà, vous l'avez compris. Malheureusement, pour aller dans le sens de Furax, moi aussi cette année j'ai cru que j'avais le Covid 2-3 fois. Après, je connais très très bien mon profil au niveau allergique, donc je savais que c'était mes allergies. Ce qui est le plus rigolo, Furax, et je me permets de te le dire, c'est quand tu vas croiser. Alors moi j'ai été contrôlé 2 fois en tout et pour tout par la police. Mais il y a une des 2 fois où j'étais en allergie. Je peux t'assurer que je sentais le stress de l'autre côté de la vitre du mec qui était en train de me contrôler. Donc, la 2e fois, anecdote rigolote parce que en réalité, les symptômes sont exactement les mêmes que le Covid. Donc, j'aurais pu très bien dire, bah, je l'ai, monsieur, désolé, je n'ouvre pas la vitre, je m'en vais. Méthodologie parfaite pour éviter le contrôle. Un petit peu d'humour avant d'attaquer, ça fait toujours du bien. Alors, c'est drôle et ça n'est pas parce que ça n'est pas pour tous ceux qui l'ont réellement. Et une fois, voilà, je ne me moque pas de ça. Mais pour nous, les allergiques, je vous avoue que moi, en tout cas, j'ai… Alors, un petit point aussi, et j'en parle plus après, promis, parce que ce n'est pas du tout le sujet de la chaîne, mais je ne sais pas si vous saviez, pour tous ceux qui sont allergiques, il y avait des injections de produits qui ont été interdites, et apparemment, c'est revenu, c'est re-autorisé, et ça te protège déjà des allergies pendant une année, je crois, ou 2 années. Donc, je ne vais pas vous parler de ça, chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui sont contre, je le sais. Moi, je suis tellement allergique que je pense que je vais me mettre à le faire. Mon père le faisait quand j'étais petit et il me disait que c'était vraiment super parce que pendant une longue période, il n'avait plus ses allergies. Voilà, je ne parle plus des allergies, c'est promis. J'ai ici, je fais comme je retravaille les montants parce que déjà, par rapport à la personne qui m'a posé la question, et deuxième élément hyper important, l'idée, c'est le fond de la question, pas les questions en elles-mêmes. Et quand je retravaille les questions, mon objectif, c'est juste de répondre aux questions sur le fond, pas précisément aux personnes. Après,
J'essaye de vous appeler pour tous ceux qui prennent les programmes. J'essaye d'être en contact avec tous ceux qui rentrent dans le groupe privé, etc. Il y en a qui sont parmi vous, donc je pense que vous confirmerez. M'en voulez pas si ça met du temps pour d'autres parce qu'on a du travail à côté. Petite parenthèse aussi pour vous préciser que moi, ça fait une semaine que je constate que j'ai vraiment un niveau, c'est-à-dire 15 jours. Mais en tout cas, cette semaine, en ce qui nous concerne, ça a vraiment pas mal bougé. Voilà, donc c'est vrai que c'est, je pense que là, lundi, ça réouvre. Je ne sais pas si vous avez vu les conditions, c'est un peu flou encore. Il y a des couacs au niveau des jours. Là, je vais parler de manière très proche dans mon entourage. J'ai des personnes qui ont eu, on leur a dit, voilà, vous travaillez le 12, puis finalement, ils travaillent le 11. Donc, je pense que la semaine prochaine, ça va être une semaine de remise en marche, doux, tranquille. Moi, vous voyez, le coiffeur m'attend ou j'attends le coiffeur. On s'attend mutuellement. Donc, voilà. Fin mai va être un mois important à avoir les premiers retours des sociétés cotées en bourse concernant leurs résultats. Soyez très vigilants. Voilà. Salut Anne. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints. D'ailleurs, je n'ai pas dit bonsoir. Hein. Bonsoir à tous. Je vais attaquer sur ma série de questions tranquillement. J'ai dit que je ferai un live d'une heure. Bon, là, j'ai commencé après. On peut aller jusqu'à 19h30. Je ne suis pas à 10 minutes près. Voilà. Et on va passer une bonne soirée. Ça me fait bizarre, honnêtement, aussi un petit mot. Alors, pourquoi je vais continuer? Je vais reprendre un peu ce que j'ai dit hier et puis après, je réponds aux questions. Je vais vous dire aussi pourquoi je pense que je vais quand même continuer à faire des lives parce que j'ai envoyé beaucoup d'invitations, les gars, notamment grâce à vos remarques. Et aujourd'hui, j'ai des réponses à ces invitations et je n'ai pas envie que ça s'arrête là. Il y a des mecs qui m'ont répondu, qui m'ont dit « Ok, je veux bien, mais pas maintenant. » Donc, on va essayer de refaire ces lives. On va essayer de les pas dans la même mesure, pas tous les jours, c'est impossible. Avec le travail qui m'attend, c'est impossible. D'autant que moi, je commence à avoir des affaires qui arrivent, voilà, que j'ai envie de faire. Je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même envie de m'occuper de mon immobilier encore plus. Ça m'a grave motivé à passer à l'action. Donc, ce Covid, ça m'a donné vraiment envie de sortir mon gros projet et de le partager sur la chaîne. Voilà. C'est vraiment, j'ai vraiment envie de ça. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour moi. Je vous cache pas que on est qu'au début de quelque chose, donc c'est compliqué d'avoir un avis aujourd'hui sur la situation. Je vous tiendrai au courant au travers de ces lives. Je pense que, voilà, comme je vous dis, ce ne sera plus tous les jours. Je vous l'ai dit hier, je parlais sur une fois tous les 15 jours. Si après je vois que je peux en faire un par semaine, ben pourquoi pas, mais la priorité pour moi, ce sera le groupe privé de toute façon. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce sera aussi d'honorer les demandes que j'ai faites au travers de vos demandes à vous, finalement, toutes les pertes. Et d'honorer, j'ai fait d'échanges parce que je maintiens que j'ai envie d'échanger encore avec ces personnes que j'ai invitées, que je vais réinviter avec grand plaisir sur la chaîne. En tout cas, je vais maintenir l'invitation et je vais leur dire voilà, l'objectif perdure, ça sera l'occasion. Il y en a certains qui m'ont répondu, je suis très agréablement surpris. Alors, il y en a d'autres, comme je vous l'ai dit, qui m'ont mis un vent. Donc, il y aura une suite à tout ça. Voilà. Voilà, donc je vais prendre un peu vos réactions, puis après je prends les questions pour les programmes. Les programmes, je vais en parler après sur une petite partie là, une grosse partie de l'émission sur la fin. Vous savez que lundi, ça se retire. Je suis en train de travailler sur le fait de tout retirer pour tout remettre autrement. Donc, tous ceux qui veulent rentrer, c'est vraiment… là, il y aura une game qui va un peu dans ce sens-là. Je vais y répondre. Donc, voilà. Donc, je prends vos questions et j'y vais. Hein. Je viens de finir ton dernier podcast. Je suis choqué. Parce que tu comprends que vraiment, il y a des gens qui raisonnent, qui a plusieurs façons de raisonner avec l'argent. Et d'ailleurs, Gabi, salut Gary aussi, je vois qu'il y a Gary. Gabi a fait une remarque sur, m'a dit, oui, je suis en train de te faire un mail pour le programme Crédit Pro. Crédit Pro, c'est aussi ça, c'est une façon différente de raisonner avec l'argent. Et on raisonne tous de façon différente avec l'argent. Et ce que je veux te dire, c'est que c'est choquant de voir, ok, c'est ce qu'elle dit à la fin quand elle dit, ben au final, voilà, je vais dépenser de l'argent avec mon enfant quand j'en aurai un. Ça me permet de m'habituer à ça et à une moindre mesure. Donc, c'est OK. Intéressant, je trouve, comme façon de réfléchir. Ce n'est pas une façon de réfléchir conventionnelle. Certains programmes, deux fois, car faut s'accrocher. Je confirme, faut s'accrocher. Pendant ces semaines de confinement, quelques setups pour nous de pouvoir compter sur une chaîne comme ça. Ben merci, Vincent. Voilà, après la chaîne, comme je vous ai dit, je ne vais pas l'arrêter à ça, elle va repartir. Comme elle était au départ, en fait, je vais prendre la suite sur les vidéos qualitatives et les podcasts ne sont pas prêts de s'arrêter puisque j'ai commencé à travailler sur le podcast de Trump. Il y a beaucoup de travail, donc ça va être assez long. Voilà.
Daisy de live pendant des semaines. Ce soir, ça bug un peu. Ouais, je suis chez moi. Donc, il y a une mauvaise connexion. Je suis désolé. Je n'avais pas envie aujourd'hui d'aller au bureau. Voilà, un peu de repos. Je vous avoue que la série de live, c'était quand même… Ce qui était compliqué, c'était ralenti. Puis finalement, je gérais des problèmes au niveau des impayés. Donc, tu passes ton temps là-dessus. Et finalement, je m'arrêtais pour les lives et ça me faisait une pause et ça me faisait du bien. Mais là, je vous avoue que ces 15 derniers jours, j'avais tout qui avait… Ça m'a fatigué. Voilà. Honnêtement, je vais sortir du Covid fatigué alors que j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave. Je vais dormir. Là, je ferai un peu des siestes la journée de temps en temps et je vais reprendre le dessus. Hein. 35 lives. 5 lives, Julien, exactement. Ça aura été. Mais ça s'est bien passé. Je suis quand même assez content. Un grand merci pour tes lives. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des lives. Mais tu es né. Mais merci, Nicolas, pour la remarque. Voilà. Allez, on attaque. Je vais prendre les questions. Et puis, c'est parti. Alors, il y a eu plusieurs questions sur les programmes, un petit peu différentes. Il y en a une, je sais que ma phrase, alors je vais l'expliquer tout à l'heure. Il y a une phrase que j'ai dite il y a quelques jours qui sort de mon prochain livre, qui a fait débat. Et c'est marrant parce que j'ai reçu des mails par rapport à ça et je vais un peu m'attarder dessus ce soir, je vous avoue, parce que ça m'a beaucoup amusé de recevoir ça. Je vais donc prendre les questions dans l'ordre que j'ai préparé. Et puis, quand je vais arriver à cette question, on va prendre un temps de discussion tous ensemble pour vous expliquer un peu. Et puis après, je pense que voilà, comme je vous l'ai dit, le livre a été donné le 30 avril, je crois, à la correction. Donc, vous verrez le temps qu'il faut pour qu'un livre arrive sur le marché. C'est relativement long, mais vous aurez tôt ou tard la réponse. De toute façon, je vous la dirai quand j'aurai le bouquin. Peut-être que je parlerai du passage en question. Donc, voilà. Alors, j'ai eu une question. J'ai eu plusieurs fois cette question. Je l'ai résumée comme ça. Puis-je prendre qu'une heure de coaching parce que la personne voulait prendre le pack et qu'une heure, elle n'avait pas du tout envie de prendre 3 heures, ce que je peux totalement comprendre. C'est vrai que d'office, ça n'est pas proposé par le site. Donc, à cette question, je voulais juste répondre et vous préciser que vous prenez dans tout… En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les coachings vont s'arrêter, mais les coachings internes, quand après on est dans, quand on a pris le programme, c'est toujours plus simple de discuter entre nous. Donc, moi, comme j'ai expliqué la dernière fois, le pack de programme va disparaître parce que ce pack-là n'existera plus. Voilà, je me suis rendu compte et je me suis aussi organisé pour pouvoir tout gérer. Ce n'était pas gérable pour moi Et puis d'ailleurs, je le vois bien que ce n'est pas gérable, donc il va falloir que je m'adapte autrement. Donc, le pack n'étant plus disponible, ce qui est important, c'est le pack. Après, on ne va pas se mentir, les heures de coaching vont complètement disparaître, elles ne seront plus accessibles en ligne et elles disparaîtront complètement quand j'aurai mis en place le nouveau système de coaching. Ça fait plein de fois que je cherche, j'ai essayé plein de formules de coaching, en fait, dont plein qui n'ont jamais été en ligne parce que je n'ai jamais eu besoin de le faire parce que j'avais des listes d'attente et c'était compliqué. Et je n'ai pas trouvé pour l'instant un système qui me correspond et qui correspond aux personnes qui a. Là, pourquoi il y avait des heures courtes? Parce que le programme est tellement dense, il y a certains membres du programme qui pourront vous le dire, que normalement, et c'est dans 80% des cas, ça se vérifie, vous avez de quoi. Et avec ces heures de coaching, on va directement dans le sujet, dans le cœur du sujet. Et normalement, avec ça, ça doit fonctionner. Maintenant, c'est vrai que on est tous différents. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, des gens qui ont besoin de moins de temps. Voilà, et je suis franc avec vous. Là, on ne parle pas vraiment de mes programmes, on parle d'un problème plus généralisé. Le coaching, c'est quelque chose de complexe, en fait, dans sa manière de faire. D'ailleurs, à ce propos, très peu de coaching de mon ancien système, dont un en particulier où on va vraiment aller au bout du projet de A à Z. Et je vous assure que c'est complexe pour les parties, surtout quand il y a la volonté. Moi, en tout cas, dans tout ce que je fais, j'ai à cœur la réussite de l'autre. Je n'ai pas une obligation de résultat, j'ai une obligation de moyens. Je peux vous assurer que je mets tous mes moyens. Elle est complexe à combler dans la mesure où on a tous des attentes différentes. Voilà. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, tout ça pour vous dire que le plus important aujourd'hui, c'est le pack pour moi. Les heures de coaching, vous nous envoyez un mail en interne, on discute. Je ferai une vidéo, je pense, au moment où je dirai que les heures de coaching s'arrêtent dans le groupe privé et même peut-être sur la chaîne communément. Pourquoi? Parce que effectivement, ça voudra dire pour moi, comme j'ai fait pour les anciens coachings, hein, d'ailleurs, je ne propose plus cette formule, il y a eu des déceptions. Mais voilà, à un moment donné, je n'ai pas trouvé quelque chose qui me convient. Voilà, je suis tout à fait franc avec vous. C'est la première problématique. Pourquoi? Parce que dans la première offre que j'avais proposée, j'ai formé sur mon marché des concurrents, je vais être très franc avec vous. Et aujourd'hui, ces gens-là travaillent exactement de la même façon que moi. Donc, je suis très content pour eux qu'ils fassent des affaires sur mon business. Mais, deuxième problématique, quand on est en concurrence sur un bien, ça m'emmerde. Excusez-moi le terme, mais c'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, c'est quand même l'activité. Il y a eu une problématique dans la version de ce que je faisais qui était liée à ça. La deuxième
chose que je viens de faire. Mon problème, c'est qu'effectivement, je n'avais pas pensé si j'empile les heures de coaching pour le suivi de la personne, ce qui me tient à cœur. Il y a là aussi un problème. Alors, j'ai une bonne mémoire. Je me souviens de tout ce que j'ai eu au téléphone. Je sais où j'en suis. Si la personne me dit qu'il faut qu'on se rappelle, je saurai exactement où on en est. Il n'y aura pas trop de problèmes. Mais on ne va pas se mentir, avec l'agence à côté et tout ce qui va se joindre, voilà, je ne suis pas une machine. Je n'ai pas assez dans la tête avec tout qui se range. Je peux faire des dossiers nom par nom. Mais dès qu'on rentre, c'est ce que je faisais avant, hein, dès qu'on rentre dans ce système, pour moi, on rentre dans un accompagnement. Et si on rentre dans un accompagnement, donc voilà. Donc, en clair, le pack, vous pouvez le prendre. Les heures de coaching, vous nous contactez une fois que le pack est pris. On discute, on est fermé à rien jusqu'à ce que je dise stop. Et quand je dirai stop, ça sera terminé, sauf pour les heures qui sont dues, où là, bien évidemment, elles seront à prendre au moment venu. Bien évidemment, ça, c'est logique, hein, on ne remet pas en cause ce qui est l'idée. Mais je veux juste dire que les gens qui me contacteront une fois que je dirai stop, voilà, il y a Anne, elle est au courant. Anne, on a entériné une façon de travailler. Comme elle était inquiète quand elle a vu que j'arrêtais tout, elle m'a dit, mais convenu, ça restera, mais une fois que ça s'arrêtera pour les nouveaux entrants, ce sera plus possible. Voilà. Moi, c'est mon mode de fonctionnement. J'aime bien balayer ce que je décide de ne plus mettre en place. Je prendrai vos questions après. Je finis la liste. Avant la grosse question, là, d'ailleurs, je vais me faire un trait. Je vais m'arrêter là. Avant la grosse question, je prends vos questions et je passe ça sur la grosse question. Et après, il n'y en aura plus que deux. Donc voilà. Puis-je acheter ton programme fin mai par rapport à mon travail? Voilà, après, il y avait des détails, j'ai pas marqué l'interrogation, excusez-moi. Donc non, écoute, je suis désolé, je comprends très bien ta situation. Ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que tu nous contactes et tu nous envoies des… Quand je vais tout fermer, en fait, si tu veux, je vais fermer entièrement les accès, je vais tout casser et tout reprendre à même… Enfin, là, je vais casser le système et en rebâtir un nouveau. Voilà, c'est juste, c'est pas un nom par rapport à la situation que je comprends très bien, c'est un nom par rapport à moi. Je vais pas attendre que toi ou qu'une personne me dise, voilà, patiente un peu pour… Non, moi, j'ai du travail, il faut que j'avance, donc il faut comprendre les deux parties. Juste, tu valides, on verra comment on s'organise après. Voilà, question rapide, réponse rapide, je vais pas m'étaler, je pense que tu as compris. C'est plus un problème pour moi d'avancement qu'un problème réel. Cette question très intéressante, il m'a dit, je n'ai pas compris l'histoire de l'agence et du groupe privé. Alors, je vais un petit peu m'expliquer. Il faut comprendre que, encore une fois, voilà, avec le Covid, le groupe privé, vous l'avez tous vu, il s'est mis en pause. J'ai basculé pour le Covid faire ses lives et m'occuper à côté de mes trucs. En fait, dans le groupe privé, on met des biens. Vous savez, maintenant, pendant que j'ai décidé de vous le dire avant, on est en plein dans la construction donc, d'un système de gestion et donc une agence full stack. Et dans le groupe privé, en fait, on met les annonces qu'on va avoir, on met tout ce à quoi on a accès. Et donc, en fait, l'agence, si vous voulez, donc je ne vous ai pas mis toute la question, mais en gros, la personne me demandait si on pouvait avoir accès à l'agence indépendamment de mes programmes et tout. Oui, bien évidemment. Mais nous, dans le processus qu'on veut mettre en place, on s'est dit, voilà, sur le groupe privé, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra avant les affaires qu'on va avoir, ou en tout cas, les affaires avec lesquelles on pense qu'il y a quelque chose à faire et qui sont intéressantes et qui sont peut-être, comment dire, telles de l'autre côté. Vous avez des clients, mais voilà, je vais vous donner un exemple. Je pense que je peux en parler. Aujourd'hui, on est dans une grosse négo pour un client où je fais du pilotage au travers de la société. On est très content parce que moi, j'y crois. En tout cas, c'est ce que on en a parlé avec Jérôme vite fait. S'il est là, d'ailleurs, bonsoir Jérôme, je prendrai vos questions après. On fait du pilotage de projet aussi. Et sur ce pilotage, on a commencé bien avant le Covid. Une grosse journée avec le client pour l'accompagner complètement sur ce projet. Parce que c'est, quand je parle de pilotage de projet, c'est des projets un peu plus gros et un peu plus spécifiques, type marchand de biens, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et là, c'est plus spécifique. Et donc, si vous voulez, il semblerait qu'on va arriver à une entente contre toute attente d'ailleurs. Ce n'était pas du tout prévu, même lui est très surpris parce qu'on est parti sur quelque chose d'assez violent en termes de discussion. Donc voilà, si vous voulez, indépendamment de ces clients-là, il y aura des choses à faire. On tiendra au courant, évidemment, au travers du groupe. Oui, l'agence sera accessible indépendamment du groupe privé, mais le groupe privé, il aura un petit avantage. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Petit mot sur l'agence, j'en parlerai, je pense, plutôt lundi. Petit mot sur l'agence, bien évidemment que dès que l'agence va être prête, parce que là, je vais vous dire que le 11, tout va se remettre plus ou moins en marche, donc nous, on va se mettre en marche, vous allez avoir droit à un truc en bon uniforme. On vous a teasé le truc, donc on verra comment on fait d'ailleurs, mais on fera quelque chose, voilà, bien évidemment. Alors, autre question, penses-tu que l'immobilier va repartir? Ton programme est-il utile?
Alors, plus j'avance, moins j'ai de doutes sur le fait que il va y avoir des mouvements immobiliers. Je ne nie pas le fait qu'il y aura des impacts. C'est un peu tôt pour le dire. Et je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ma théorie. Mais si vous réfléchissez deux secondes, en fait, alors je vais prendre la question sous deux angles, parce qu'elle a deux angles, cette question, et je vais y répondre. Le premier angle, c'est la question de est-ce que tu penses que l'immobilier va repartir ? Repartir, ça ne veut rien dire, en fait. Il n'y a pas de. En fait, je pense que cette crise, elle a changé la relation des gens avec leur lieu de vie. Il y a plein de gens qui vont remettre en question leur lieu de vie. Et quand on parle de lieu de vie, on parle des propriétaires, aussi les mecs des locataires. Et donc, ça va nous toucher aussi sous deux angles. C'est-à-dire que attendez-vous à avoir des mouvements de locataires pour ceux qui en ont. Attendez-vous à avoir une réflexion différente par rapport à votre parc immobilier. Que je me stratégique, je vais vous dire très clairement, hein, je pense notamment aux extérieurs. Je pense qu'il va y avoir une période où les logements sans extérieur sont morts, il va y avoir un questionnement autour de ces logements-là. Et puis, la question du télétravail, quel va être l'avenir du télétravail, comment ça va se passer? Donc, est-ce que ça va repartir? Mais ça, pour moi, ce n'est pas la question. C'est comment les mouvements de marché vont se passer à partir de maintenant. On sait déjà d'office, au moment où vous écoutez cette émission, que tout ce qui est maison, résidence principale, il va y avoir du mouvement et du gros mouvement. Et alors là, je peux déjà vous le confirmer. Je vous l'ai dit hier déjà, j'ai fait des tests sur des agences par rapport à poser pour ce que nous, on est en train de construire. Je sais déjà qu'il y a des mouvements sur les maisons. C'est une certitude, il n'y a pas ça à remettre en cause. Mais en plus, il y a tous les mouvements locatifs dont on n'a pas idée encore qui vont se mettre, j'allais dire un gros mot, donc qui vont se mettre en marche, n'est-ce pas? Donc, première partie, pour moi, il n'est pas question de réellement repartir. Il est question de mouvement de marché. Ce qui est tout à fait logique, encore une fois, on n'est pas face à une crise économique. Repartir dans le cadre d'une crise, c'est logique. Mouvement de marché. Et du coup, ça me fait rouvrir ma parenthèse. Voilà, soyez très attentifs sur vos loyers. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi quand je dis ça. Moi, j'ai connu des baisses de loyers. Il y a encore des baisses de loyers. Ça arrive, c'est pas énorme. Hein. On parle généralement d'une fluctuation de 10% quand ça arrive. Malgré tout, il faut être très attentif à ça parce que si vous proposez un logement trop cher, vous ne le louez pas en fait. Et c'est très mauvais pour le logement. Voilà, je vous l'indique parce que par les cheveux, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. J'en ai conscience. Mais je vous le dis parce que voilà, réfléchissez deux secondes. Même voilà, des appartements et une pression foncière élevée. Ils vont peut-être se dire, OK, aujourd'hui, avec du télétravail, je peux peut-être avoir une terrasse, je peux peut-être avoir un extérieur. Réflexion qu'il va falloir inclure dans la stratégie immobilière. Aujourd'hui, ce que je considère comme étant élaboré en plein dans une crise. Donc oui, mes programmes sont utiles, surtout pour les gens qui veulent s'en sortir pendant les crises, puisque je considère avoir été reformaté par une crise en plus immobilière, puisque celle de 2008, je vous rappelle qu'elle était purement immobilière, donc oui, pour répondre à ta question. Dernière question, et après je prends vos questions à vous, et après je prends ma grosse question. Je suis dans une impasse avec mon patrimoine. En quoi ton programme peut-il m'être utile ? Cette question qui m'a été posée, elle n'a pas été accompagnée de précision. En gros, la personne, pour une fois, n'est pas rentrée dans le détail de son patrimoine, c'était rigolo. Et donc, je redoute la question cachée. Je n'ai pas répondu saisonnière. Donc, avant tout, et comme d'habitude, vous m'entendrez toujours vous le dire, je ne suis pas un professionnel de location saisonnière, je ne suis pas le meilleur en location saisonnière. Et mes programmes, si tu es bloqué ou. Alors, attendez une seconde. Je suis désolé. Au moins, c'est des vrais lives. je ne suis pas dans la location saisonnière et je ne pense pas pouvoir, t'accompagner. Ou accompagner qui que ce soit dans le développement d'une activité de location saisonnière. C'est une réalité. Après, si bien évidemment tu veux faire un changement de stratégie, je suis la bonne personne. Même si tu t'attends à avoir les mêmes revenus que la location saisonnière, avec moi, c'est possible, mais il faudra peut-être un petit peu plus de temps. Je pense que la location saisonnière te ramène plus de revenus plus vite, mais moins certain. En tout cas, on en a. Alors après, c'est une preuve qui est relative, parce que est-ce que ça va réarriver pareil? Moi, je suis convaincu que oui, mais on n'a aucun moyen de le savoir. C'est une conviction personnelle. Tous ceux qui vous disent l'inverse, en réalité, ils ne le savent pas. Tout ça pour vous dire que… Alors, je vais juste m'attarder quelques minutes sur les impasses indépendamment de mes programmes. Hein. Dans mes programmes, il y a de quoi gérer, mais là, on va parler de vos patrimoines respectifs. Il faut que vous sachiez une chose, en fait. Mais ça, je voulais vous le dire, les mecs, à tous et les filles aussi. C'est parfait d'être bloqué dans un patrimoine.
C'est la meilleure chose qui puisse arriver. Sachez que moi, c'est en étant bloqué que j'ai trouvé des solutions. C'est en se bloquant qu'on commence à réfléchir. C'est en se bloquant qu'on va chercher des réponses. C'est en se bloquant que vous me rencontrez peut-être. Donc, c'est une bonne chose en fait. Cette question n'est pas une vraie question. Cette question est un état de fait. On est tous bloqués à un moment donné ou à un autre. On a été bloqués. J'ai été gravement bloqué en 2010, pour être très précis, quand tout a été fini pour moi. J'ai re-été bloqué dans le bouquin, je ne l'ai pas là parce que je suis chez moi, hein, Dupes, si tu es là, elle est pour toi celle-là. Si vous voulez, pour moi, c'est une certitude aujourd'hui, l'impasse, le fait d'être bloqué, c'est une bonne chose. Quand on m'écrit ce genre d'email, je vais répondre à la personne. Donc, encore une fois, voilà, je ne connais pas le patrimoine de la personne, mais dans tous les cas, programme, pas programme, peu importe ce que vous faites, dites-vous une chose, c'est ce que vous voulez. Vous agissez pour vous bloquer. En étant bloqué, vous vous obligez à sortir, en tout cas à trouver des solutions différentes. C'est la chose que je vous souhaite à tous en fait. La personne qui m'a écrit ce message-là, elle ne s'attend pas à la réponse que je vais lui dire. Je vais lui dire waouh, bravo. C'est génial parce que tu es obligé de changer en fait. Et c'est le. Regardez, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit par rapport à mes coachings, je vais devoir tout casser pour tout refaire. C'est ce processus-là que vous cherchez en fait. Et ce qui est d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, ce qui est fatigant dans le travail, c'est moi, ma grand-mère, elle me disait toujours faire et refaire, c'est travailler. C'est la réalité, en fait. Si tu refais pas les choses inlassablement, tu travailles pas. Tu fais, tu refais, tu refais, tu refais, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, jusqu'à ce que tu trouves le système qui s'emboîte parfaitement. En tout cas, qui fonctionne avec le moment présent, ton moment présent. Donc, être dans une impasse, être bloqué, les mecs, c'est ce que vous voulez, c'est ce que tu veux, si tu me regardes. Donc, c'était une question intéressante, je trouve. Encore une fois, plus sur le fond que sur la forme, parce que manquer des éléments, c'est rare. D'habitude, on m'explique tout leur propre. D'ailleurs, j'ai eu un gros mail. Je n'ai pas le prénom de la personne. Je te répondrai la semaine prochaine. J'ai reçu un très gros mail. Ne t'inquiète pas, je vais te répondre. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de te répondre. Voilà, il ne faut pas m'en vouloir. Voilà. Et donc, je voulais quand même prendre le temps de vous dire ça, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui veulent pas, qui ont peur d'être bloquées. Pareil, tu vois, refuse de vendre ses biens immobiliers, c'est parce qu'il a peur de ne pas réobtenir ses crédits à la banque. Il a peur de ne pas continuer à faire ou en tout cas réatteindre le niveau qu'il avait avant. Mais devinez quoi, les gars, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour tout le monde en fait. Le truc, c'est que c'est justement ce que tu cherches à faire. C'est comme ça, tous ceux qui avaient pris Crédit Pro, le dossier que vous voyez qu'on a construit, sur lequel on travaille actuellement, il a évolué au fur et à mesure de mes blocages. Il n'est pas arrivé comme ça, du jour au lendemain, en tombant du ciel, en se disant « Oh oui, tiens, je vais faire un dossier, je vais le présenter comme ça. » Non, il y a eu des blocages. Chaque blocage m'a permis de construire le dossier qui m'a permis d'arriver à ce niveau de présentation de dossier et qui me permet aujourd'hui d'avoir une certaine confiance dans la façon dont je présente mes dossiers bancaires. Et si tu veux, le truc que tu dois comprendre, c'est que le fait d'être bloqué te permet de construire ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, encore une fois, voilà, j'insiste, moi, j'ai aussi agi et peut-être que je vais être bloqué, trouver des solutions. Après, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Allez, la grosse question sur laquelle je vais passer un petit moment. Donc, je vais prendre vos questions à vous et après, on passe sur la grosse question. Alors, merci à tous ceux qui me remercient pour le contenu. J'ai essayé de faire de mon mieux. C'était vraiment pour moi aussi super. Il y a une personne sans nom avec qui tu faisais des vidéos. Je suis surpris de ne pas l'avoir vu dans les lives. Peut-être est devenu trop pro du net pour rejoindre. Non, pas du tout. Non, j'ai pas eu le temps. Je vous avoue qu'il y a plein de gens qui auraient dû venir sur Facebook. Beaucoup de. Alors voilà, je sais qu'il y en a qui sont déçus de ne pas être venus. Je m'en excuse. Je sais à qui certains pensent aussi. Je m'en excuse aussi si jamais ils regardent les vidéos. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez donné plein de noms auxquels moi-même, je n'avais jamais pensé. J'ai contacté certaines de ces personnes, elles sont venues. Il y en a d'autres que j'ai rencontrées, enfin, que je connais, que j'ai rencontrées au hasard, qui ont accepté aussi. Ça s'est un peu fait comme ça, si vous voulez. Je ne me suis pas trop pris la tête pendant le Covid. Et donc, voilà, il y aura des gens à qui ça n'aura pas fait plaisir. S'ils le prennent mal, ben, ce n'est pas grave. S'ils comprennent la situation, voilà. Moi, j'ai fait comme j'ai pu avec. Pour des journées de plus en plus longues, je ne me plains pas, mais il faut comprendre que je ne peux pas contacter toutes les personnes avec lesquelles on est en train de discuter. Je suis en contact avec des gens sur lesquels vous ne vous doutez pas avec qui je puisse être en contact et donc avec lesquels il va y avoir des choses qui vont se passer derrière. Donc, si vous voulez, c'est compliqué en fait. Compliqué parce que honnêtement, voilà, je me suis lancé dans ces lives, je les ai tenus, je suis content. Alors, des fois, j'ai été en retard, des fois, il y a eu des bugs, des fois, il y a eu des problèmes. On a tenu les lives.
Et j'en suis très content. Voilà. Et je pense, comme je vous dis, c'est vrai ça aussi, il y a des mecs qui ne sont pas venus que je voulais absolument. Et donc, ça me fout les boules et je n'ai pas lâché. Et donc, je me suis concentré sur certains au détriment d'autres. Voilà. Donc, désolé pour tous ceux qui l'auront mal pris. Il y aura d'autres personnes qui viendront, vous inquiétez pas. On va continuer de toute façon. Penses-tu toujours à une deuxième chute en bourse après le confinement? C'est une question très intéressante. Moi, je vais, vous savez quoi? Je vais être franc avec vous. Je suis assez déçu de la bourse. Voilà, je vais être franc avec vous. Alors, pourquoi je suis déçu? Il faut que vous compreniez une chose avec moi. C'est pas, ce que je vais vous dire n'est pas une bonne chose. Donc, il ne faut pas vous fier à moi. C'est que moi, j'ai connu la crise de 2008, encore une fois, et je m'attendais à une chute comme en 2008. Et encore une fois, on n'est pas dans une crise financière. Je l'ai répété que ça. Elles ne sont pas à des niveaux… voilà. Moi, pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas rentré à la hauteur… Alors, je suis rentré sur certains produits. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas sur un… Je ne suis pas sur une baisse sur les lignes sur lesquelles je suis en train de monter qui sont… on n'est pas sur la chute de 2008. Voilà. Si on avait été sur la chute de 2008, je vous aurais fait… j'aurais été tout excité, j'aurais été là, j'aurais passé… Non, voilà. Je n'ai pas eu cette excitation due au fait que pour moi, on n'a pas eu… voilà, on n'est pas sur les tarifs auxquels on est arrivé, sur les produits en tout cas sur lesquels je suis. Voilà, il y a eu des chutes impressionnantes, il y a eu une chute… vieux pétrole, et vous le savez, et je m'attendais à un contre-coup qui allait avoir des répercussions. Je pense que peut-être fin mai, on va commencer à payer les pots cassés de cette situation. Aujourd'hui, je ne suis pas rentré à l'échelle à laquelle je devais rentrer au début de la crise. Effectivement, je vous avais parlé, j'étais chaud, c'est retombé. Pour moi, on n'est pas sur des coups. Voilà, c'est, je pense que dans l'année, il va y avoir des éléments qui peuvent déclencher une conséquence plus grave en termes de marché financier. Enfin, il peut avoir des conséquences plus… Pardon, je m'exprime mal. Il peut y avoir des éléments comme des élections américaines qui peuvent avoir des conséquences plus graves. Et encore, ce n'est pas l'élection qui va créer la conséquence, c'est qu'est-ce qui va être fait derrière. Voilà. Donc, Julien, Nicolas, je n'ai pas pris le coaching car je vais relancer. C'est important pour moi. Comme je vous le dis, voilà, j'ai à cœur, sans parler de coaching, que tout le monde réussisse. Je fais mon maximum pour qu'on soit en contact. Après, voilà, on avance, on est une famille, comme je dis souvent. Le but, c'est que, comme tu dis, prennent tes projets, que tu passes à l'action. Parce que les gars, je vous le dis, hein, il y en a des projets. Hein. Moi, j'en suis sur deux et j'en ai encore qui passent. Et si je pouvais, voilà, mais déjà deux. Moi qui dis tout le temps d'en faire qu'un à la fois, je suis sur deux. Alors, j'ai beaucoup vendu, j'ai des sociétés qui sont en position. Après, et je vous expliquerai quand je ferai les programmes, quand je présenterai les projets, un de mes projets, ce sont des projets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, c'est important aussi de comprendre qu'on ne mène jamais deux projets identiques. Voilà. J'ai débuté 1 million hier, j'ai vraiment trouvé ma stratégie avec un plan et j'en suis qu'au début. J'ai encore plusieurs heures et j'ai 10 millions. Ça, c'est sûr que Mehdi, tu as du travail. Je suis très content si tu as trouvé ta stratégie, mais vous êtes beaucoup à me faire ce retour-là, c'est le but. Voilà. Tu peux les prendre, les programmes. Après, c'est que tu ne veux pas, c'est un autre problème, mais ça te concerne. Alors, Stéphane, tu proposes une seule stratégie dans tes programmes. Ah, c'est une très bonne question, ça. Non, pas du tout. Moi, dans mes programmes, je te propose plusieurs. En fait, si tu veux, c'est un peu comme ça. Moi, j'aime bien. C'est pour ça que je vous demande d'envoyer vos numéros de téléphone parce que les programmes sont très gros. En fait, les programmes vous montrent une façon de procéder. Alors, ce n'est pas une stratégie. C'est une façon de procéder pour mener vos projets. Il y a vraiment plusieurs stratégies dans les programmes. Et après, c'est à vous de les définir. Et quand vous allez… Quand vous aurez défini votre stratégie, c'est là où souvent l'heure de coaching elle est intéressante. Souvent, je crois que c'est Yannick, mais bon, il me corrigera si je me trompe, c'est ce qu'a fait Yannick. On a fait une heure ensemble, il a défini sa stratégie, on s'est eu au téléphone. Et moi, j'affine en fait. Et j'avais prévu au départ, c'est ça ma vision. Je me suis dit, en une heure, le mec, s'il a suivi un programme, il peut développer n'importe quelle stratégie. Parce que voilà, je vais vous donner un exemple. Tiens, Stéphane, je vais répondre à ta question parce qu'elle est vraiment cool. Imaginons que tu allais faire du saisonnier. Mais dans mes programmes, tu vas pouvoir faire du saisonnier. C'est juste que sur la partie saisonnière, c'est-à-dire. Mise en ligne des annonces, automatisation. Au travers de l'agence, nous, on a un partenaire qui automatise. Tu contacteras l'agence, on te met en relation avec le partenaire, tu vois. Mais ça, c'est pas mon taf. Moi, dans les programmes, en gros, je t'apprends à acheter des biens immobiliers, à monter ton dossier bancaire. Je t'apprends à trouver une bonne affaire. Je t'apprends à définir une stratégie fiscale. Je t'apprends à grossir en immobilier, c'est-à-dire comment toi, tu es là, tu es assis. Peut-être, je ne sais pas, on va dire, tu as 5 ou 10, 100. Comment on passe de 20 apparts à 200? Tu vois, comment on fait techniquement pour faire la bascule? Parce qu'en fait, souvent, l'erreur que font tous les investisseurs, et ça, que font tous les investisseurs, j'ai eu la chance d'être en contact de gens qui étaient plus gros que moi, et bien, grâce à ça, j'ai réussi à élaborer des stratégies pour permettre aux gens de grossir. Donc, non, le programme, c'est de te permettre
d'élaborer la tienne. Pareil, tu vois, tu vas prendre Fiscal Facile, qui est un programme, on ne va pas se mentir, la fiscalité, c'est chiant, hein, on va pas faire comme. Ce qui est intéressant avec ce programme, c'est que, comme je dis souvent, tu n'as besoin que de la première introduction pour comprendre la fiscalité et vivre avec. Et toute la deuxième partie, qui est redivisée en deux parties, c'est vraiment de la technique. Et tu y vas dedans que quand tu sais exactement ce dont. Parce que quand tu as élaboré ta stratégie d'achat, et en avant en guingamp, tu vois, c'est parti. On est parti, tu as la fiscalité, tu as le juridique, tu as une stratégie d'achat, ça roule, tu sais où tu vas. Et voilà, c'est. Donc, non, c'est pas. Il n'y a pas une stratégie, il y a plein de stratégies. Chaque fois que je téléphone, il me donne une stratégie différente parce qu'on a tous des patrimoines différents. C'est ce que je vous répète tout le temps. Donc, vous allez retrouver dans mes programmes ce que je vous dis en fait. C'est-à-dire que je ne cherche pas à vous dire faites ça comme ça. Non. Je vous montre un schéma qui fonctionne. Je vous dis voilà, en faisant ça, ça, ça et ça, ça. Voilà. Et l'idée aussi derrière Crédit Pro, c'est une approche financière différente dans le pour l'instant. Alors, je n'ai pas tous les retours parce que Crédit Pro est aussi un gros programme, pas dans le sens, il y a un certain volume de connaissances à acquérir, mais il y a un gros volume de travail personnel à fournir. Et unanimement, tous ceux qui ont suivi Crédit Pro aussi ne voient plus leur patrimoine du point de vue financier de la même façon. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre que c'est un état d'esprit que je vous transmets et aussi une façon différente d'aborder la problématique et de vous permettre de la construire indépendamment les uns des autres. Personne n'aura jamais le même. Et heureusement d'ailleurs. Après, je vous donne, j'ai pas de problème à vous dire, ben voilà, par exemple, l'idéal, on va pas se mentir, par exemple, je vais vous dire tout de suite une évidence. L'idéal, c'est d'avoir que des. Bravo, c'est l'idéal d'avoir que des baraques. Voilà. Maintenant, techniquement, à réaliser, c'est pas la même chose. Donc voilà, faut bien comprendre que chacun sa stratégie, chacun pourra arriver à des outils pour construire votre stratégie, quelle qu'elle soit. J'espère que je t'ai répondu, Stéphane. Penses-tu que la crise va mettre plus de gros investisseurs? C'est une très bonne question, Furax. Oui, oui, mon cœur. Excusez-moi. Hein. Et je viens, d'accord? D'abord, maman. Alors, Furax, excusez-moi, je réponds à la question. Penses-tu que la crise va mettre de plus gros investisseurs en course se retrouveront en concurrence avec les petits? Une question intéressante. Alors, moi, je ne vais pas le présenter comme toi parce que je ne peux pas répondre à cette question, je ne le sais pas. Moi, j'ai un bourse. Au moment où on parle, tu as dit, en tout cas, dans mon entourage, il y en a. J'ai été très surpris des montants, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit. Et ces gens-là, ils attendent une remontée. Je sais pas si je peux faire ça comme ça. De leur perte. Et pour certains, ils veulent sortir pour venir dans l'immobilier. Donc, je pense qu'il va y avoir plus d'investissements parce que tu as une partie des personnes qui vont chercher à. Il y a évidemment un gros mouvement sur le web de personnes qui pensent qu'il va y avoir des faillites bancaires. Ces gens-là, aujourd'hui. Alors, attention, hein, je veux qu'on soit bien clair. Je ne suis pas en train de dire que ça n'arrivera jamais. Je vous dis juste que ça n'est pas arrivé pour l'instant. Il y a plein de gens qui ont dit ça y est, c'est la fin du monde, on va tous mourir, les banques vont fermer. On l'entend de plus en plus parce que ces gens-là élaborent une théorie de plus en plus cohérente et il y a des gens qui y croient de plus en plus. Le problème, c'est que ça n'arrive pas. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ces gens-là, ils se réveillent. Moi, j'ai quand même un client qui m'a dit, pendant 10 ans, j'ai écouté tous ces mecs qui m'ont annoncé la fin du système financier et pendant 10 ans, je n'ai rien fait. Une triste réalité parce que moi pendant 10 ans j'ai fait que passer à l'action en ignorant ces gens-là et aujourd'hui j'ai clairement pas le même patrimoine que ces mecs qui les ont regardés. Donc il y a un moment donné ces gens-là ils vont revenir sur le marché, ça fait pas faillite, ben, ces gens-là ils ouvrent les yeux. Donc là où je veux en venir c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont leur argent placé dans des assurances vie, qui ont leur argent placé dans des trucs bidons comme ça, qui ont essayé l'argent pendant la crise et qui se sont rendus compte de quoi? La banque leur a dit non les gars, c'est pas aussi simple et c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Donc là les mecs, ils sont échaudés, ils veulent leur argent et ils veulent le mettre ailleurs. Et je pense que ces gens-là vont venir sur l'immobilier. Je suis même convaincu maintenant, de boule de cristal, c'est un sentiment personnel. Voilà. Pour répondre à ta question, est-ce que les gros investisseurs vont venir sur de l'immobilier? Les gros investisseurs, ils seront toujours là en immobilier. Encore une fois, ça dépend de la composition du patrimoine là aussi, comment gérer le mec. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Donc, les gros investisseurs, ben, aujourd'hui, ils attendent que le marché réouvre pour se libérer et on verra leur mouvement derrière. C'est toujours pareil. C'est assez difficile à prévoir, les gros, parce que, tu sais, je vais parler pour moi. Moi, je sais faire rien d'autre. Hein. Moi, aujourd'hui, je vois pas. C'est la prochaine question. Ça va me faire une transition parfaite. Moi, je sais pas où est-ce que je mettrai mon argent ailleurs qu'en immobilier. Je le mets en bourse. Vous le savez, j'ai une société pour ça. Je vous ai toujours dit que, et ça va arriver le jour où ma bourse
me rapportera plus que mon immobilier, je le déclare publiquement, et j'en serai très content d'ailleurs, et ça va arriver, je sais que ça va arriver, voilà, je le sais, parce que tu ne peux pas mettre de l'énergie dans une société sans qu'elle ne te rapporte pas de l'argent. Donc, à partir d'un certain niveau, je prendrai des revenus de cette société et je serai obligé de vous le dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même quand cette société me rapportera de l'argent, l'argent, devinez quoi ? En immobilier, c'est ce que je fais de mieux, en fait. Mes ratios sont les meilleurs à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gros ? Ben, ils vont là où ils ont les meilleurs ratios. On est tous pareils. N'oubliez pas, c'est une phrase que je vous dis toujours, l'être humain est gouverné par ses intérêts. On va là où son intérêt est plus fort. D'ailleurs, c'est une phrase que j'ai des discussions autour des gens sur Internet où je vous disais que vous n'étiez pas honnête avec vous-même, c'est qu'on a tous le même comportement. Pourquoi je fais que de l'immobilier ? Parce qu'aujourd'hui, je suis meilleur en immobilier, mais si demain j'étais meilleur sur la bourse, ben, je ferais que de la bourse. Et si demain j'étais meilleur sur Internet, que d'Internet. Et devinez quoi ? Mais vous êtes pas tous pareils. Donc moi, aujourd'hui, je suis très bon en immobilier, donc je fais de l'immobilier. Demain, si je vais vous dire un truc, hein, je kiffe de plus. Pourquoi je kiffe plus l'immobilier ? Parce que je fais de moins en moins de choses. Je ne suis plus cancé. Il y a un de mes gars qui m'a téléphoné pour les chantiers. Je lui ai dit, mec, mais c'est plus moi que tu dois appeler. Qu'est-ce que j'ai kiffé lui dire ça au téléphone, les mecs ? C'est un rêve pour moi, c'est un rêve. Alors, je n'ai pas rêvé quand j'ai dû aller chercher mes sous auprès de mes locataires. Parce que ça, bon, voilà, la demande d'argent, c'est quelque chose qui est encore particulière chez beaucoup de personnes. Et voilà, c'est pas tout le monde qui aime. Enfin, les gens, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas demander leur argent. Moi, bon, je n'ai pas trop de problème avec ça. Ça, c'est pareil, les gars. On ne parle pas des programmes, là. C'est ça qui est fait de l'immobilier locatif. Gérer un peu vos locataires. Argent, il ne faut pas que vous croyez que je suis né comme ça. Je ne suis pas un gars qui s'en fout, machin. Ça, j'ai fait 10 ans de gestion pour en arriver à un jour à avoir un déclic. En fait, ils n'en avaient rien à barrer de moi, en fait. Ils s'en foutent de vous. Ils vous payent pour un service, point à la ligne. Et demain, quand ils vont se barrer, ils diront de vous comme ils diront de moi. Oui, mais lui, c'était un propriétaire. De toute façon, c'était un CO2NARD, vous m'avez compris. Voilà. Et donc, si vous voulez, on peut bien s'entendre. Moi, je m'entendais très bien et je m'entends très bien avec certains locataires. Je m'entends très bien avec eux, mais je reste réaliste sur les liens qui nous unissent. Je leur propose un service en échange de quoi ? Ils me payent et ça reste là. S'ils ont le moindre problème, ils n'hésiteront pas à se retourner contre moi pour sortir de la situation difficile dans laquelle ils sont. Et d'ailleurs, je l'ai vu pendant le Covid. Vous l'avez vu pendant le Covid. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le fait de demander parce que ce n'est pas quelque chose de classique. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des sociétés de recouvrement, les gars. Parce que les gens ne savent pas demander de l'argent. Et moi-même, je ne savais pas. J'ai appris au bout de 10 ans à prendre ce recul nécessaire pour me dire, allez, c'est bon, de toute façon, je propose que c'est normal que je sois payé en retour. Et je vais vous dire un truc. Je disais hier à ma mère, je lui disais, maman, c'est marrant parce que depuis que je le prends par-dessus la jambe, entre guillemets, hein, mais en gros que je ne me pose plus de questions sur mes loyers et que si tu ne payes pas, tu dégages, ben, ça se passe carrément mieux. Essaye d'être petit. Les gens, ils profitent de ta gentillesse. Et dès que tu es un peu plus dur et qu'ils voient qu'en fait tu t'en fous et que tu es prêt à aller au clash, ah ben là, ça change les rapports et ça se passe mieux. Donc voilà, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour vous dire que personne n'est à l'aise avec l'argent, ça ne tombe pas du ciel, ça s'apprend, tout s'apprend dans la vie. Voilà. Alors tu peux l'apprendre voilà, pendant des années comme moi, ou tu peux l'apprendre plus rapidement au travers de programmes, ça c'est le choix de tout un chacun, il n'y a pas d'avis là-dessus. Salut Dupes, je vois que tu nous as rejoint. Je prends les questions avant les deux dernières questions, hein, bien évidemment. Salut tous millionnaires aussi. Bon, ben voilà, c'est l'avant-dernier live, les gars. À la fin, il restera celui de lundi. Gabi, ce que je ne veux pas, je reçois des messages en même temps que je vous parle. Je suis désolé, je ne suis pas déconcentré. Je reçois des messages. Si tu es bloqué par la suite, tu trouveras sûrement une solution. Gabi, ce que je ne veux pas, c'est ce que je construis. Et ouais, Stéphane, mais malheureusement, le processus fait partie de ça. La chute de 2008 a duré presque 3 ans. Il faut de la patience. Ludivine, c'est une très bonne remarque ce que tu dis. C'est ce que je disais dans ce que j'ai écrit dans mon bouquin, effectivement. Il y a une inertie entre le choc, entre la percussion et la conséquence. Ça lag moins sur Facebook. C'est marrant, ça, ce que tu dis. C'est comme ça, écoute. Je peux pas, là, ce soir, je suis voilà, de mon mieux. Toujours pas milliardaire pour changer ton pseudo, dit Julien à tous millionnaires. Non, pas encore en ce moment. Je suis des cours de trading avec le champion du monde 99. Bon, je sais pas qui c'est, mais tant mieux. C'est un truc de ouf. Je vais préparer les championnats du monde sur les futurs avec ce trader. Bah, écoute, tant mieux. Hein. Mercredi soir, j'ai fait 3 000 $ en 15 minutes sur le SD. Alors bon, là, vous parlez du SD.
Bon, petit malin, nanana, c'est le marché des bons du trésor américain à 30 ans maturité. Ah ouais. Je ne savais pas que ça s'appelait le SD, tu vois. Mais bon, voilà, j'ai appris quelque chose. Celui qui nous entraîne fait 49 000 dollars. Moi, je fais carrément comprendre. Nanana, moi, je suis encore jusqu'à fin mai. Bah, bravo, tous millionnaires. Je prends pour prétexte Visal où l'État aimerait arriver au même statut que les USA afin de ficher les mauvais payeurs. Écoute, moi, Visal, c'est pas mon délire, mais bon, on verra comment ça évolue ce truc-là. Alors, on prend les deux questions qui m'ont été posées, dont une, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les deux dernières, hein, sur laquelle on va s'arrêter parce que je sais qu'auprès de vous, ça a fait débat. Donc, j'ai reçu une question qui m'a dit « J'ai X milliers d'euros sur mon compte. » Vous savez, comme voilà, on reçoit ce genre de questions. « Le montant n'a pas d'importance. » J'ai noté, pour l'exemple de la soirée, j'ai 100 000 euros sur mon compte, mais ce n'était pas ça le montant. La crise m'a fait me poser des questions. Intéressant, c'est est-ce que ton programme m'aidera-t-il à placer immédiatement ton argent? Mais les gars, et je le dis à tout le monde, il n'y a rien qui vous permettra immédiatement si tu as économisé de l'argent. Imaginez que tu as économisé 100 000 euros. Il n'y a rien ni personne qui va te faire immédiatement dépenser ces 100 000 euros. Il faut comprendre ça. C'est hyper important. Quand je dis que si tu n'as pas de stratégie, si tu as de l'épargne, tu n'as pas de stratégie, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que si tu as une stratégie, tu as confiance dans ce que tu fais. Et si tu as confiance dans ce que tu fais, c'est que tu as de l'expérience. Si je n'ai pas d'épargne, les mecs, c'est parce que j'ai de l'expérience. C'est parce que, tu vois, quand je vois Stéphane dans le chat qui nous dit « j'ai pas envie de casser ce que je truie », c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il n'a pas d'expérience pour passer à l'étape supérieure. Le prend pas mal, Stéphane. C'est tout à fait honorable. Il y a des investisseurs qui choisissent stay. Voilà. Mais c'est une stratégie qui fonctionne. Mais elle fonctionne, mais tu attends combien de temps? Cette notion d'avancer et de passer des étapes a construit un raisonnement financier derrière moi, enfin au niveau de mon expérience, qui me permet aujourd'hui d'agir. Donc quand la personne me dit, est-ce que tes programmes. Enfin bref, ce que tu veux, live, pas live. Il n'y a rien qui permettra à qui que ce soit de dépenser son argent tout de suite. Comment ça va se passer si le mec, il prend mon programme? Il va regarder Crédit Pro, il va réfléchir. Ça va commencer par ça. Ça commence par une réflexion. Tu te dis, ah ouais, merde, il a peut-être raison, l'abruti que j'écoute depuis des heures. Et tu vas te dire après, ok, le mec, il a raison. Et qu'est-ce que tu vas faire? Le processus de l'économie, c'est un processus vicieux dans le sens où c'est un processus qui va dans le même sens. C'est-à-dire que quand tu économises de l'argent, tu as du mal à le dépenser. Quand tu dépenses de l'argent, tu as du mal à l'économiser. Tu me diras, c'est le principe. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne vas pas pouvoir, en ayant mis en place ce processus dans ta vie, tu ne vas pas te retrouver du jour au lendemain à pouvoir le dépenser. Et même, tu vas prendre une fraction de la somme. Pourquoi? Et c'est normal. Tu vas avoir besoin de te rassurer. Tu vas avoir besoin de te dire, ok, le mec a peut-être raison, mais j'ai besoin de vérifier tout bon investisseur qui se respecte. Et pareil, en réalité, tu vas miser l'argent que tu es capable de perdre ou de te dire, ok, s'il a tort, je peux m'asseoir là-dessus. Donc, le premier mouvement qui ne sera pas un mouvement immédiat parce qu'il y aura la réflexion. Donc, il va y avoir l'apprentissage, la réflexion et le premier mouvement. Si tu cumules tout… Allez, l'apprentissage et la réflexion, un mois. On va prendre un mois parce que ça veut… Allez, deux mois. On va prendre deux mois et la mise en… Donc, imagine, ce n'est pas immédiat en fait. C'est impossible, mais c'est normal. Et je vais aussi attirer votre attention sur un point intéressant, parce que je trouve que c'est des sujets super intéressants. Les joueurs, les parieurs, comment ils font les mecs qui gagnent beaucoup d'argent, etc. Par exemple, tous millionnaires qui nous disent « j'ai gagné tant de milliers de dollars en un soir en fait de trader ou de faire des trucs ». Si par exemple, tu trades sur 50 000 dollars, c'est que normalement, dans la logique, ton patrimoine derrière, il est beaucoup plus gros. Quand tu fais des gros mouvements financiers qui mettent tout, qui sont prêts à tout perdre, et nous, on l'a fait, hein, vous le voyez dans mon bouquin, hein. Devenir riche sans argent, finalement, c'est un peu l'apologie de mes débuts. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu, je vous montre comment ben, j'ai dû faire all-in à chaque fois. Pourquoi? Parce que ben, rien derrière. L'année dernière, quand je faisais les lives l'été, je vous avais dit que on m'avait proposé un bien moins cher dans une ville riche. Je n'étais pas prêt à prendre ces risques. C'est hyper intéressant. Donc, ce que je veux dire à cette question que j'ai trouvé hyper pertinente, c'est que il n'y a rien sur cette. Parce que l'économie est un mode de pensée, comme la dépense est un mode de pensée, dont il faut arriver à sortir. Ou en tout cas, c'est bien d'être économe, je ne critiquerai jamais l'économie en elle-même, mais c'est bien d'être économe avec un objectif derrière, donc de ne pas garder l'argent sur les comptes. Et pour revenir à la phrase que j'ai dit qui a fait débat, je vous confirme qu'en fait,
pour moi, en tout cas, c'est ma vision actuelle, qui n'a pas de stratégie. Et quand je vois des gens qui m'écrivent, qui sont retrouvés stressés pendant cette crise, parce que, bien évidemment, il y a des gens qui ont dit oui, tout va s'effondrer, rien ne s'est encore effondré. Donc maintenant, ces gens-là vont nous dire le coup d'après arriver. Mais je remets en cause le fait que vous ne fassiez rien parce que vous attendez que ça arrive. Vous comprenez ça? C'est très différent. Moi, je vous dis quoi? Il n'y a rien qui empêchera quoi que ce soit ou qui que ce soit de faire faillite. C'est important de le comprendre. Donc voilà. J'ai trouvé cette question hyper rigolote. Qui est dans le chat qui m'avait dit aussi, et puis d'autres d'entre vous qui m'avaient dit que ça avait fait réfléchir. Et je vous confirme, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions sur cette phrase que j'ai pu dire. Voilà, je pense que de toute façon, rien n'est immédiat. On est dans un système qui a une certaine forme d'inertie, qui est relativement long. Moi, j'ai un problème avec les impôts qui durent depuis le mois de novembre dernier, novembre-octobre. Ça n'est pas réglé. Je leur ai écrit, les gens ne me croient plus, donc je dois donner l'historique de mes échanges avec les impôts. Je suis désespéré. Donc voilà, on est dans un pays qui est comme ça, ce n'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Maintenant, il y a des niveaux, donc ça ne peut jamais être immédiat. Donc, est-ce que mes programmes t'aideront à placer immédiatement cette somme? Non, ça t'aidera à la placer dans le délai nécessaire à l'apprentissage et à la mise en action de Doravu. Voilà, réponse à une question que j'ai trouvée très rigolote. Suite et fin avec cette phrase, et après je prends vos questions et on arrivera au bout de ce live. Parle-t'en d'épargne que tu estimes en cohérent avec tes programmes? Oui. Je donne dans mes programmes des conseils et des stratégies financières. Alors, surtout dans le programme, Crédit Pro, où là, vous avez réellement des stratégies financières. Globalement, en lisant à travers les lignes, vous comprenez ce que vous avez à faire partout. Donc, voilà. Oui, il y a de quoi, en tout cas, gérer ses finances avec mes programmes. Allez, Instagram m'indique, comme vous le savez, qu'on vient de faire une heure de live. J'aime beaucoup Insta, ça me fait mon minuteur. Hop, l'air de rien, c'est quand même bien pratique, n'est-ce pas? On fait ça. Une seconde, hein, j'arrive. Si vous avez quelques questions à me poser sur le dernier quart d'heure, c'est le moment. Sachez qu'après, on se retrouvera lundi. Je ne vais pas vous donner d'horaire parce que je ne le sais pas moi-même à la suite. T'es comme les locataires, tu t'en tapes de nos commentaires. Non. il en a plus à la fin, il va nous sortir. Allez les gars, bonne soirée. Et allez, non, je n'aime pas du tout. Ça lag trop, je comprends rien à la vidéo. Mince, désolé. J'ai 250 000 dollars, mais j'utilise 1%. Ben voilà, tu vois, ça montre pourquoi ils jouent l'argent. Ben non, on arrive au bout, les gars, vraiment. L'argent qui dort, c'est de l'argent qui perd de la valeur. Exactement. Au fait, Nicolas, c'est fini les lives, tu arrêtes définitivement. Donc non, tous millionnaires, c'est ce que je disais au début, je vais le redire. Il y en aura. Bon, les lives vont continuer à raison de au moins un par semaine sur le groupe privé. Il y aura ce que je disais hier, mais j'étais striké. On va conserver des lives sur la chaîne à raison de un tous les 15 jours. On va voir. J'ai des gens qui vont venir en interview sur la chaîne. Qui m'ont validé des interviews. Donc, on va continuer avec des lives moins fréquents, en tout cas. On va voir. Je vais vous tenir au courant pour ça. En tout cas, il y aura des lives. Il y en aura encore beaucoup moins. Il y en aura peut-être plus sur les groupes privés et moins ici. C'est normal. Voilà, c'est le jeu. C'était comme ça. Il y avait des lives avant, hein, sur le groupe privé. Il va y en avoir à nouveau. On essaiera de remettre quelque chose en place. Peut-être un peu moins long, peut-être un peu plus. Sereinement, selon toi. Alors, Théo, écoute. Le marchand de biens, avec zéro. Mon montant et les stratégies de marchand, je les explique dans mes programmes. Sincèrement, comme je le dis, il faut plus de 200K, effectivement. Voilà. Après, c'est pour être serein et pour en vivre sereinement. Maintenant, tu peux le faire ça avec zéro. On ne va pas se mentir. Hein. Tu peux le faire avec zéro, c'est ce que j'explique. Ça n'implique pas les mêmes problématiques, ça n'implique pas les mêmes, ça n'implique pas le même rapport au métier. Mais c'est logique, en fait, parce que si tu veux, si tu fais des petites opérations, finalement, tu ne vas pas gagner plus qu'un petit commerçant. Pas déconnante pour un débutant. Ta marge avec les charges françaises ne te permet pas d'en vivre. Donc, tu comprends très bien que ça te permet de commencer, mais tu n'en vis pas. Donc, tu es au même point. Or, moi, je m'en cache devant personne. Si tu fais marchand de biens, mec, c'est pour gagner de l'argent et en vivre. Donc, voilà, il y a des stratégies. D'ailleurs, c'est intéressant que tu me poses cette question maintenant. Mes programmes sont faits pour te permettre de te lancer. Copier bêtement, si tu veux, cette stratégie-là. Maintenant, pour répondre à ta question, tu peux te lancer avec très peu d'argent.
la conséquence d'avoir peu d'argent, c'est juste que tu vas devoir garder ton emploi le temps de… Non, moi, je n'ai pas du tout aimé. On a commencé comme ça. Je n'ai pas du tout aimé cette situation, mais ça me gavait de brasser de l'argent et de regarder l'argent passer. Voilà, je le dis dans mon bouquin d'ailleurs. Lis mon livre, tu verras, je le raconte très bien. Ah oui, j'ai fait 1 million d'euros. Alors, à chose près, j'ai fait quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires en tant que marchand. Ah, c'était super. Hein. Tu peux te gargariser devant tes copains et faire genre tu fais beaucoup d'argent. En attendant, il ne te reste pas tant que ça à l'arrivée. Donc, moi, ça ne m'a rien apporté de… Ça ne m'a pas apporté de satisfaction. Je n'étais pas satisfait, voilà. Je te fais un pied de nez, Stéphane, parce que je trouve très intéressant. Tu vois ce que je suis en train de dire, ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. J'ai jamais hésité dans ma vie à casser pour refaire, pour arriver au bon résultat. Voilà. Je te le précise parce que c'est vraiment pour moi intéressant ce que tu as dit. Il y a beaucoup de gens qui refusent de faire ça. Pourtant, c'est une démarche que tu devras avoir. L'argent, c'est comme le sang. Il faut que ça circule, sinon ça coagule. Exactement, Quentin. Ça, c'est une phrase que je dis beaucoup. L'argent, ça doit circuler. Les gens ont du mal à comprendre et c'est effectivement ça. Quentin, tu la cherches depuis le début du live, celle-là, à vous. il a raison, elle était bonne. Bon, ben, c'est tous millionnaires qui m'ont inspiré. Ouais, bon, ben, voilà. Quentin, je sais que tu fais partie du programme, n'hésite pas, je crois que tu m'envoies, je ne sais pas si je t'ai eu en contact, tu m'envoies ton numéro, je t'appellerai aussi. Enfin, voilà, j'essaierai de faire de mon mieux. Voilà, les gars, donc écoutez, bon, j'ai vu passer moi le Covid. Entre tout, j'ai bossé, donc c'était cool. C'est qu'une maille pour les podcasts sur qui veut être mon associé. Il faudra les écouter forcément sur les chaînes de podcasts puisque je serai striké sur YouTube. Même si je les mets, ils ne seront pas disponibles. Voilà. Pour les programmes, c'est jusqu'à lundi, 16 ans. Lundi soir, il y aura un dernier live. Je vais voir comment je l'organise. Je ne vous donne pas l'horaire encore. Je ne vous donne pas d'horaire. Donc, je mettrai une horaire. C'est ce que je vais faire. Je vais définir l'horaire du live et je mettrai le live avec un décompte sur la chaîne. Je le mettrai entre demain et dimanche pour que vous voyez. Je pense qu'il y aura ma mère avec moi, que vous verrez avec qui vous pourrez parler. Ça sera cool pour finir. Voilà. Je crois qu'on a passé un temps d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint les programmes. Merci à tous ceux qui vont les rejoindre pendant le week-end. Merci à tous ceux qui participent d'une façon ou d'une autre à cette chaîne et à la vie de cette chaîne. Ça ne s'arrête pas là, les mecs, hein. Les podcasts continuent, la chaîne va continuer avec les vidéos travaillées comme je les faisais jusqu'à maintenant. Tout va continuer. C'est juste que voilà, ça va évoluer et sur les podcasts seront aussi sur Podcast Immobilier Compagnie, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne, etc. Tout continue. Il y aura un live très bientôt pour annoncer l'agence immobilière. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous mets le lien dans le chat et il y aura le lien sous la vidéo pour tous ceux qui veulent rejoindre le programme. Alors attendez, je suis en train de le faire pour tous ceux qui l'ont déjà rejoint. Je suis en train de vous mettre le lien pour ça. Voilà. Bon week-end à tous. Je crois que ça ne va pas. Je vais l'enlever. Je le mettrai en dessous de toute façon. Voilà. Vous aurez le lien en dessous. Bon week-end à tous et bonne soirée. On se retrouvera lundi pour le dernier live. Et voilà, je vous mets le lien du programme pour ceux qui veulent le rejoindre deux fois. Et lundi, de même, vous aurez l'horaire.